just wanna look good for you, good for you. Uh-uh. I just wanna look good for you, uh-uh. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good for you. Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Morning Routine. Ça fait hyper longtemps que je n'en avais pas fait et je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos. Donc c'est parti pour ma routine du moment. Lorsque je me réveille, je check mon téléphone directement, je réponds à vos commentaires sur Instagram et Twitter. Et voilà, j'aime bien faire ça quand je suis encore dans mon lit et ça me booste pour commencer ma journée. Ensuite, je passe directement à la salle de bain. Je commence par me brosser le corps avec une brosse à sec. Et en fait, ça fait bien circuler tout le sang dans le corps et ça me booste un peu le matin. Et ensuite, donc, je me lave normalement. Je me fais mes masses, mes gommages. J'aime bien faire un gommage une fois par semaine. Et ensuite, je m'habille et je mets mes bijoux. On passe ensuite à la meilleure partie de la matinée, c'est préparer mon petit déjeuner. En ce moment, j'adore faire des acai bowls, donc ça consiste à mélanger pas mal de fruits dans un blender. Ensuite, j'ajoute des graines de chia, des graines de chanvre et bien sûr de la poudre d'acai. Et ça me donne vraiment l'énergie dont j'ai besoin pour commencer ma journée et surtout, c'est super bon. Donc voilà, je mixe tout ça et ensuite, je viens le décorer pour faire une jolie photo Instagram ou pas, ou pour partager sur Snapchat. En général, je vous snap tous mes petits déjeuners. Donc je fais ça le matin et franchement ça me tient, ça me remplit bien le ventre jusqu'au midi. C'est aussi beau que bon. Avec ça, je me prépare également un thé. Donc généralement je prenais plutôt du café le matin, mais en ce moment je fais une petite cure détox. Je vous en parle plus en détail sur mon blog. Donc je me prépare une tasse de thé et je viens prendre mon petit déjeuner au lit. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. J'aime bien commencer ma journée au lit. C'est vrai que j'ai un bureau maintenant dans mon appartement, mais je commence quand même à travailler dans mon lit. J'ai moins l'impression de travailler. Donc là, j'étais en train de vous préparer un article de blog et bien sûr toujours la petite photo Insta qui va bien. Et je prends mon petit déjeuner. Voilà, c'est vraiment un moment que j'adore le matin. Je prends du temps pour répondre à vos commentaires et j'adore me réveiller de cette façon-là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je passe de nouveau à la salle de bain, je me brosse les dents et je vais me préparer pour la journée. Le premier réflexe beauté que j'ai le matin, c'est d'appliquer une crème contour pour les yeux. Celle-ci, c'est celle de chez Galénic et je l'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça vient vraiment nourrir le contour de mes yeux. Et voilà, je le faisais pas du tout avant, mais en ce moment, j'aime beaucoup ça. Et ensuite, j'applique cette crème anti-imperfection, toujours de chez Galénic, je crois. Et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Pour le maquillage, c'est comme d'habitude, j'ai vraiment pas changé de routine. J'applique ma bébé crème Herborient, mon correcteur Benefit et j'étale tout ça. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup d'imperfections en ce moment. Et j'applique ensuite ce blush de chez The Balm qui est hyper pigmenté et que j'adore, qui est couleur un peu bois de rose et je trouve que ça illumine tout de suite le visage quand je le mets. Ensuite, je remplis mes sourcils avec ce kit de chez H&M que je n'aime pas beaucoup mais j'en ai pas d'autres. Et ensuite, je vais me faire mon maquillage avec cette palette Clinique que je viens de recevoir et que j'aime beaucoup, donc dans les tons un peu dorés. Je me maquille pas beaucoup les paupières, généralement je mise plutôt tout sur le mascara et sur mes faux cils. Et ensuite j'applique ce rouge à lèvres de chez Clinique également. On passe maintenant aux cheveux. Donc j'applique cet incroyable blow dry de chez Kérastase sur toutes mes longueurs et tous mes cheveux et ça va vraiment les rendre hyper doux, mais surtout ça va permettre à une fois que je vais boucler mes cheveux avec mon boucleur, ça va permettre de garder la forme en tête parce que j'ai vraiment du mal à ce que les boucles tiennent moi au fur et à mesure des jours. Donc en fait avec ce produit, ça permet que lorsque je me boucle les cheveux le lendemain, si je veux les retoucher un petit peu, j'ai juste à les passer à la chaleur et ça va faire un peu comme une mémoire de forme de la boucle que j'aurais donnée la veille. Donc juste le fait de le réchauffer un petit peu le produit, ça va redonner la forme à mes cheveux. Donc voilà, j'essaie de pas mettre de chaleur tous les jours et ce produit m'aide à tenir mes boucles en place toute la journée et au fil des jours. Et voilà, je suis prête. Ensuite j'applique ce parfum de chez Victoria's Secret que j'adore. Bon, voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à la liker. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Karine Safia. Bye!